Je suis touché à mort, mais lui, imaginez-lui, c'est le père, mais imaginez la mère à cette heure de route, là. Alain Duchesneau est le parrain de Jesse. La famille est sur place, participe aux recherches et demande l'aide de la population. Faites comme si c'est un membre de votre famille. S'il vous plaît, on vous demande de faire le petit effort qu'il faut donner pour le retrouver. Ça serait de vérifier là, leur dépendance, la cour arrière, s'assurer là, qu'il n'y a personne qui pourrait être là, soit endormi ou couché. Tu sais. Une douzaine de bénévoles en recherche et sauvetage se sont ajoutés à l'équipe de recherche de la police. Fait qu'on regarde à peu près le même ordre, Mario sur le bord, Jean-Pierre. Il quadrille le secteur. Une attention particulière est portée aux rives de la Saint-Charles. On va refaire aussi des secteurs là, qui avaient été faits, surtout sur le bord de la rivière. Il y a quand même plusieurs secteurs là, qui sont faits. Et puis là, on est rendu, je pense, c'est notre cinquième là, secteur. Ça fait qu'on élargit le secteur de recherche. Présentement, ça va bien. Là. La police de Québec coordonne les recherches depuis son poste de commandement. Les services de l'équipe de plongeurs de la Sûreté du Québec ont été demandés. Ils seront sur place mercredi matin pour scruter la rivière Saint-Charles. Pendant ce temps, la famille installe des affiches. Proches et sauveteurs, garde espoir. C'est juste important d'en parler, faire du bruit avec ça, puis qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse porter attention à un détail, à peut-être quelque chose qu'il aurait aperçu. Non, aucun indice, rien de concret pour le moment, malheureusement. On va poursuivre, on est motivé, on va faire ce qu'on a à faire, puis on a bon espoir. On reste optimiste. Tu sais, dans le fond, on veut juste le retrouver, Jesse, tu sais. Le jeune Gaspésien de 19 ans n'a pas été revu depuis sa sortie d'un bar de la rue Saint-Joseph dans la nuit de vendredi à samedi. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.